le 27 avril 1848 marque la fin de l'esclavage, ou du moins la fin de cette forme d'esclavage-là qui consistait à priver un homme de sa liberté physique pour le forcer à aller travailler pour un maître blanc. Si cette forme d'esclavage-là a été abolie, il n'en demeure pas moins que cet esclavage-là a pris une toute autre forme au XXIe siècle. Parce que désormais, au XXIe siècle, l'esclavage ne consiste plus à forcer quelqu'un pour aller travailler dans un champ, non. Mais l'esclavage au XXIe siècle, c'est ce qu'on appelle l'esclavage économique. Si tu veux en savoir plus, ma personne, je te donne rendez-vous après le générique. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bon, ma personne, comme je te le disais tantôt, dans cette vidéo, il sera question de partager avec toi le résumé du livre de Ricardo Kanyama qui s'intitule « Je suis Kunta ». Petit mot en ce qui concerne ce livre. Ce livre est un livre qui traite de l'indépendance financière. Ce livre va te permettre de prendre conscience du fait que si tu dépends d'une seule source de revenus, si tu dépends d'un salaire, si tu dépends d'un patron, alors tu es forcément un esclave économique. Et il est temps que tu commences à te battre pour pouvoir être libre financièrement. Et si tu ne veux pas le faire pour toi, fais-le pour ta descendance. Ce livre va t'aider dans ce sens-là. Et puis, en ce qui concerne Ricardo Kanyama, c'était un self-made man. En d'autres termes, c'est quelqu'un qui a bâti sa fortune en partant de rien du tout. Et c'est d'ailleurs l'auteur du best-seller africain en termes d'indépendance financière qui s'intitule « La chèvre de ma mère ». Si tu ne l'as pas encore lu ce livre, je te conseille vivement de le lire parce que ce que tu vas y apprendre en termes d'intelligence financière est juste énorme. Et je ne saurais terminer cette vidéo sans commencer par définir ce que c'est que l'indépendance financière. Une personne atteint l'indépendance financière dès lors que elle a réussi à mettre en place des business qui génèrent suffisamment d'argent de telle enseigne que l'argent qu'elle gagne de ses business sans travailler réussisse à couvrir toutes ses charges. En d'autres termes, si jamais pour toi il te faut 200 000 francs par mois ou alors 2000 euros par mois pour couvrir toutes tes charges, eh bien, tu as atteint l'indépendance financière à partir du moment où les différents business que tu as mis dehors te génèrent minimum 200 000 francs ou minimum 2000 euros. Ma personne, nous vivons dans un monde où il n'y a rien qui tourmente autant l'esprit d'un homme que l'argent. Nous vivons dans un monde où dans tout ce qu'on veut faire, on a besoin d'argent. Quand on vient au monde, on a besoin d'argent. Tout au long de notre vie, on aura besoin d'argent. Même quand on va mourir, on aura besoin d'argent pour nous enterrer. Donc tu te rends compte que dans tout ce qu'on fait, il y a toujours le problème argent qui intervient. C'est d'ailleurs pour ça que Maxime Victor a dit la chose suivante. Le Dieu dans notre monde, c'est l'argent. Regarde quand quelqu'un n'a pas d'argent, comment il est? Il est insécure. Il manque de confiance en lui-même. Il est stressé. Il se demande, mais qu'est-ce que je vais manger le matin? Qu'est-ce que mes enfants vont manger le matin? Est-ce que je vais pouvoir avoir l'argent pour leur donner de beignet pour aller à l'école le matin? De ma personne, si tu ne veux pas vivre ce genre de stress plus tard, eh bien ma personne, il faut que tu te battes pour que l'argent ne soit plus un problème. Il faut que tu te battes pour atteindre l'indépendance financière. Et quand il s'agit d'indépendance financière, Ricardo Kanyama distingue deux types de personnes. On a d'un côté ceux qui sont motivés à l'idée de devenir libre financièrement. Et on a de l'autre côté ceux qui sont complètement indifférents à l'idée de devenir indépendant financièrement. Et Ricardo Kanyama fait un deuxième constat selon lequel, très souvent, ceux qui sont indifférents à l'idée de devenir libre financièrement, ce sont les salariés. Pourquoi? Eh bien, pour la simple raison que les salariés se disent que parce qu'ils sont employés, parce qu'ils sont salariés, eh bien, ils ont une certaine sécurité financière. Même si au XXIe siècle, la réalité nous prouve que la sécurité financière, c'est une illusion. Pire encore, lorsqu'on travaille dans le secteur privé. Qui est Kunta? Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, ma personne, c'est que
le livre de Ricardo Kanyama a été inspiré de la vie de Kunta. Kunta, pour la petite histoire, c'était un jeune homme africain libre qui avait 20 ans d'âge quand il a été capturé pour être mis en esclavage aux États-Unis d'Amérique. Kunta, ce n'était pas un esclave comme les autres. C'était un esclave rebelle. Il ne manquait pas une seule occasion pour s'enfuir, ceci afin de retrouver sa liberté. Il était tellement rebelle à tel point que on a chargé un autre esclave qui s'appelait Violon pour domestiquer Kunta afin qu'il évite de vouloir chaque fois chercher à s'enfuir. L'une des plus grosses différences qu'il y avait entre Violon et Kunta, c'est que Violon, c'était un esclave qui était né de parents esclaves. Donc toute sa vie, Violon avait toujours vécu comme un esclave. Donc, pour lui être esclave, c'était quelque chose de normal. Pour lui, il ne comprenait pas que un noir qui vit en Amérique cherche à devenir libre. Mais ça même pas ce que ça voulait dire être noir et libre aux États-Unis d'Amérique. Donc, il ne comprenait pas pourquoi Kunta se battait tout le temps pour pouvoir devenir un homme libre. Donc, Kunta va continuer à se battre comme ça, à tel point que les maîtres blancs vont être tellement agacés qu'ils vont un jour l'attraper pendant qu'il essayait une fois de plus de s'enfuir et ils vont lui couper une jambe. Mais même jusque-là, Kunta ne va pas cesser de se battre pour pouvoir devenir un homme libre. C'est dans cette histoire qui a considérablement inspiré Ricardo Kanyama à se battre pour pouvoir devenir lui aussi un homme indépendant financièrement parce qu'il estimait que aucun système ne devait maintenir un homme dans l'esclavage à vie, l'esclavage moderne qui est en fait le salariat. Bon, ma personne, ce qu'il faut savoir, c'est que Ricardo Kanyama, qui est d'origine congolaise, beau tenaio à vous mes frères congolais, et bien Ricardo Kanyama est né, a grandi dans un environnement dans lequel le taux de chômage bat les records. Il a grandi dans un environnement dans lequel il y a des familles qui vivent avec moins de 1 euro par jour. Donc face à toute cette précarité, il en arrive à se poser la question de savoir, sommes-nous vraiment aussi libres que ce qu'on prétend? Parce qu'il dit que quand il voit un jeune qui a fini ses études, mais qui se transforme ensuite en un éternel chercheur d'emploi, c'est à tel point que chercher un travail devient son travail. Quand il voit un chef de famille qui, une fois qu'il a atteint l'âge de la retraite, se retrouve aussi fauché qu'un rat d'église, quand il voit un cadre qui, une fois qu'il a perdu son boulot de cadre, se retrouve sans un sou, eh bien, quand il observe tout ça, après avoir fait beaucoup d'analyses au sujet de la pauvreté et de la richesse, eh bien, il en arrive à la conclusion selon laquelle au 21e siècle, un pauvre, c'est un esclave économique. Un pauvre au 21e siècle n'est pas tant différent de Kunta Kinte, qui était lui esclave à son époque. C'est face à tout ça que Ricardo Kanyama, il en arrive à une deuxième conclusion, c'est que le salariat, c'est l'esclavage économique au 21e siècle. Et c'est donc face à ce constat qu'il a été de plus en plus séduit par l'idée de devenir indépendant financièrement. Il tient aussi à préciser dans son livre que très souvent, lorsqu'il parle aux gens d'indépendance financière, il y a très peu de gens qui sont intéressés, ou du moins, il y en a beaucoup qui sont indifférents face à l'idée d'agir pour devenir libre financièrement. Et la raison tient à une chose, c'est que il y en a très peu qui ont des raisons suffisamment fortes pour se battre pour atteindre l'indépendance financière. Mais ça tombe bien parce que dans la suite de cette vidéo, je partagerai avec toi quelques raisons qui doivent te pousser à te battre pour atteindre toi aussi ton indépendance financière. Pour ainsi dire, ma personne, la première question que tu dois te poser si jamais tu souhaites devenir indépendant financièrement, devine c'est quoi? Pourquoi? Tu veux devenir riche? Pourquoi? Tu veux devenir indépendant financièrement? Pourquoi? Tu veux devenir libre financièrement? Pourquoi?
Le fait de savoir pourquoi est-ce que tu veux devenir libre financièrement, c'est ça qui va te donner la force de te battre même quand ça sera difficile. C'est ça qui va te donner la force d'aller chercher les ressources jusqu'au plus profond de tes tripes pour atteindre l'indépendance financière. Voilà pourquoi je dis, c'est hyper important de savoir pourquoi est-ce que on veut poser certains actes. Lorsque Ricardo Kanyama a fini ses études, il a décidé, comme tout le monde, de se lancer dans le monde de l'emploi. Une fois salarié, le salariat a juste confirmé tout le mal qu'il pensait du salariat parce que il travaillait avec une charge de travail énorme pour gagner à peine 15 dollars par mois. Donc face à une telle précarité au niveau de l'emploi, c'est comme ça que Ricardo décide en 2007 de lancer lui-même son propre business. Mais quand il lance son business, malgré le fait que son business croit, il a des retombées, il a un retour sur investissement, eh bien, il y a quand même la famille qui lui met la pression, dit non, il faut que tu trouves un emploi parce que le business, ce n'est pas quelque chose d'assez stable, c'est l'insécurité, il faut que tu trouves un boulot stable. Donc, Ricardo, face à toute cette pression familiale, a décidé de retourner dans le monde du salariat. Et cette fois-ci, il va intégrer une grosse entreprise dans laquelle il va être payé à hauteur de 3000 dollars par mois. Pour quelqu'un qui réside au Congo, c'est une belle somme d'argent. Sauf que dans ce boulot-là, il devait tout le temps travailler avec la boule au ventre parce qu'on le mettait tout le temps la pression sur le fait que si les résultats qu'on attendait n'étaient pas bons, eh ben, ils risquaient de perdre leur boulot. Donc, il fallait vivre avec tout ce stress-là au quotidien. C'est donc comme ça que Ricardo s'est dit, bon, ok, maintenant que je suis ici, dans ce boulot, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de là et atteindre ma liberté financière? Ce qu'il va faire, c'est que pendant tout le temps qu'il va travailler en tant que salarié, il va préparer son indépendance financière. Il va préparer son départ de ce boulot-là. Donc pendant qu'il travaille en tant que salarié, il va économiser tout l'argent qu'il peut. C'est à tel point qu'au bout de 9 mois, il aura économisé pratiquement 30 000 dollars. Et c'est comme ça qu'avec sa femme, ils vont réinvestir dans leur business à tel point qu'au bout de 4 ans, ils vont être multimillionnaires. Tandis que ses anciens collègues de travail qui se sont contentés juste de leur salaire vont rester au même niveau et plus tard même vont perdre leur boulot. Ma personne, la chose sur laquelle j'aimerais attirer ton attention ici, c'est que il aura fallu 4 ans à Ricardo Kanyama pour atteindre l'indépendance financière. 4 ans de travail, de sacrifice et d'utilisation de son argent de manière intelligente pour devenir libre financièrement. Et j'ai remarqué qu'en général, dans l'histoire des self-made men, je ne sais pas pourquoi, mais très souvent, c'est au bout de 4 ou 7 ans qu'ils atteignent l'indépendance financière. Donc, c'est pour te donner un ordre d'idée. Si jamais tu t'es lancé dans la quête de l'indépendance financière. Donc, pendant ces 4 années-là, Ricardo Kanyama a noté 4 étapes qu'il a dû franchir pour atteindre l'indépendance financière. Première étape, économiser au moins 10% de ce que tu gagnes. Ma personne, on commet une grosse erreur, c'est celle de penser que les riches dépensent plus que ce qu'ils gagnent, alors qu'il n'y en a rien. Parce que dis-toi que quelqu'un qui gagne 10 000 et qui dépense 11 000 pour être sûr qu'il finira pauvre. Alors que quelqu'un qui gagne 1000 et qui garde 100 peut être sûr qu'il finira riche. Parce que quelque part, être riche consiste à réussir à accumuler suffisamment d'argent. Donc si toi aussi tu aspires à devenir libre financièrement, commence par épargner au moins, parce que si tu peux épargner plus, c'est toujours bien, au moins 10% de ce que tu gagnes. Pourquoi? Eh bien parce que c'est ton épargne qui va constituer ton capital d'investissement plus tard. La deuxième étape pour devenir indépendant financièrement qu'il faudra que tu franchisses, c'est la suivante, c'est que... Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie.